un bonus pour parler de la chaîne en ce début d'année. D'abord, bonne année à tous et à vos super cochons d'Inde. Alors, en ce début d'année, pour ceux qui ne suivent pas Facebook ou qui n'auraient pas entendu parler de l'affaire, il y a un élevage de rongeurs fournissant les animaleries qui a fermé en fin d'année dernière. Donc, ils faisaient des cochons d'Inde, des lapins, des gerbilles, des hamsters, des souris, des rats, voilà, plusieurs espèces. Et donc forcément, ces animaux ont dû être sortis de cet élevage, qui est complètement insalubre, mais qui répond tout à fait aux normes légales. Donc en fait, il a fermé pour des raisons judiciaires qui n'ont rien à voir avec l'élevage, ça concerne uniquement le propriétaire. Je vous mets en description, sous la vidéo, des liens vers des images tournées par 30 millions d'amis, la SPA et d'autres associations qui se sont rendues sur place pour sortir les animaux. Donc il y a plusieurs milliers de rongeurs. La SPA, selon les estimations, hein, parce qu'il y en a tellement que parfois c'est 4000, parfois c'est 7000. Bref, donc il y avait beaucoup d'animaux à récupérer. En plus de ces milliers d'animaux, forcément, comme c'est un élevage, les femelles sont gestantes. Ce qui donc donne forcément beaucoup de bébés à naître. Devant cette urgence, les associations NAC se sont mobilisées pour récupérer les animaux, les sortir de là et réussir à les placer, alors pas les placer à l'adoption, mais à les placer dans des familles d'accueil, puisqu'ils ne peuvent pas être adoptés, puisque les femelles sont gestantes, donc il faut au moins leur laisser le temps de mettre bas, et que les animaux sont dans des conditions sanitaires horribles. Il y en a certains qui sont très malades, il y en a qui sont morts pendant le transport après les avoir été sauvés. Il y en a certains qui sont entre vie et la mort. Il y a certaines femelles qui ont mis bas et qui, comme elles étaient trop jeunes, sont mortes pendant qu'elles accouchaient, et les petits sont morts aussi. Voilà, donc bon, c'est un peu horrible comme situation pour ces animaux. Certains ne sont pas en trop mauvais état, ça va, mais ils ont forcément des maladies de peau. Il y a de la gale, pour l'instant apparemment pas de teigne, mais en tout cas il y a au moins de la gale, des pododermatites pour certains. Voilà, donc ce qui fait que moi, j'ai récupéré 4 femelles, dont 3 gestantes. Il y en a une pour l'instant, elle ne prend pas beaucoup de poids, donc il n'y a pas trop lieu de penser qu'elle est gestante, mais après tout, si elle a été fécondée juste avant qu'on la récupère, peut-être que ça va finir par se déclarer, va savoir, mais pour l'instant j'en ai 3 qui sont gestantes sûres, et une ou pas forcément. Donc j'ai récupéré 4 filles que je vais vous présenter tout à l'heure, Bijou, Luciole, Opale et Polka. Donc elles ont la gale, après si non, niveau pâte, j'ai pas de pododermatite. Elles ont des bonnes dents, elles ont un poil piqué, ras, vraiment en mauvais état, parce que dans l'élevage elles mangeaient pas de foin, elles mangeaient pas de légumes, elles mangeaient que des granulés, des graines mélangées. Pas beaucoup d'eau parce qu'elles sont assoiffées, elles passent leur temps à boire. Un cochon d'Inde qui boit quand même, chez moi ils boivent pas énormément, mais j'ai jamais eu de cochon d'Inde qui buvait énormément. Mais elles boivent tout le temps. Et voilà, elles mangent comme des ogres parce qu'elles sont gestantes. Luciole, qui logiquement ne l'est pas, ne mange pas tant que ça au début, oui, mais maintenant elle a l'air d'avoir récupéré. Donc tout ça pour dire que, vous le savez, j'ai 5 cochons d'Inde, ça prend du temps quand même d'avoir 5 cochons d'Inde, de s'en occuper et puis de passer du temps avec eux parce que ce sont mes animaux. Et que maintenant donc j'ai 4 femelles supplémentaires gestantes, donc qui demandent de l'attention, et en plus qui demandent encore plus d'attention parce que elles ont des problèmes de peau et qu'il faut quand même les surveiller, plus la gestation qui fait qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'exactement va arriver la naissance et qu'on stresse un peu parce qu'on nous dit il faudrait quand même que je sois là si jamais il y a quelque chose qui va mal. Et j'ai aussi 3 autres femelles qui sont arrivées en début d'année, qui étaient déjà à l'association Adopte un rongeur, donc elles vont très très bien, c'est juste que je les ai récupérées parce que Maestro et Bigorno ont été adoptés en fin d'année dernière, en décembre, pour leur Noël. Ils ont trouvé une nouvelle famille, donc ça c'était très bien, ils sont très heureux là où ils sont maintenant. Ce qui fait que j'avais de la place, donc j'ai pris d'autres femelles que je n'ai pas à mettre en quarantaine parce qu'elles vont bien, donc du coup ça prend de la place dans une autre pièce, donc c'est pas grave. Mais du coup cela fait que, en ce moment, j'ai 12 cochons d'Inde chez moi. Alors avec les bébés qui vont naître, etc., ça en fera encore plus. Tout ça pour dire que 12 cochons d'Inde, ça demande quand même pas mal de boulot, hein. Faut changer tout le monde tout le temps, etc. Ce qui fait que vous vous en doutez, avec tout ce petit monde à la maison, faire des émissions sur la chaîne, c'est pas...
pas ma priorité et même si je voulais y consacrer du temps, c'est quand même difficile. C'est difficile de trouver du temps pour le faire et donc comme j'en avais déjà parlé, c'est que plus le temps passe, plus les sujets simples sont écoulés. Et après, il reste des tout petits sujets qui me permettent de faire le format astuce dont j'avais déjà parlé en début d'année dernière, enfin la rentrée 2017, pour dire que les astuces étaient un très bon système parce que c'est des vidéos très très courtes, ça vous apporte des informations, ça me prend très peu de temps à faire, c'est parfait. Donc j'aimerais bien faire une émission tous les mois, ce qui fait qu'une émission tous les mois et une astuce tous les mois, ça fait deux vidéos par mois, ce qui fait plus un bonus de temps en temps. Ce qui fait que forcément, bah, ça fait à peu près une vidéo toutes les 2 semaines, donc ça garde le même rythme qu'avant, que j'avais essayé de faire avant, et qui n'est pas forcément toujours respecté. Mais donc voilà, ce rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, et en même temps, bah, ce qui fait que j'ai quand même un mois à peu près pour préparer une émission. Bon là, du coup, j'ai eu plus d'un mois, mais j'ai mis 12 cochons d'Inde, les fêtes, parce que pendant les fêtes, bon, oui, j'ai le droit de pas travailler et de juste profiter. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire que sur ma chaîne, forcément en ralentissement parce que je suis très occupée. Et aussi pour vous dire que les associations qui se sont mobilisées pour récupérer tous ces animaux, forcément, ça coûte cher. Parce qu'il faut les soigner, parce que voilà, il y a des soins vétérinaires, donc je dis pour ceux donc, qui ont des abcès, une pododermatite, des problèmes de dents, ou parfois une femelle ou qui va avoir une césarienne. Ce genre de choses, ça engage des frais vétérinaires très importants. Rien que le fait aussi des traitements contre la gale ou la teigne, hein, ce genre de choses aussi, forcément ça fait des frais. Les nourrir, donc il y a le foin, les granulés, parce que bah, les granulés, j'en donne un petit peu à mes familles d'accueil normalement, mais parce qu'ils sont en bonne santé. Elles sont gestantes, donc elles ont besoin de beaucoup d'énergie, et en plus elles ont manqué de nutriments toute leur vie. Donc forcément, bah, les granulés, je leur en donne tous les jours et elles vident la gamelle. Donc forcément, bah, ça fait des frais supplémentaires aussi parce qu'il y a aussi les granulés en plus à leur donner. Donc pour vous dire que si vous voulez aider, alors soit vous adoptez, tout simplement, parce que bah, alors vous adoptez pas des cochons d'Inde de ce sauvetage-là parce qu'ils sont pas encore adoptables, forcément, ils sont en quarantaine, ils sont en soins. Mais par contre, bah, les animaux qui sont déjà bien, qu'on avait déjà avant, bah, vous pouvez les adopter. Comme bah, ça nous soulage au niveau du nombre d'animaux. Ça libère des places. Donc voilà, donc vous allez sur les sites d'associations, je mets un lien dans les commentaires pour vous inviter tout simplement donc bah, à regarder leurs annonces, de voir s'ils sont près de chez vous et si bah, voilà, vous avez un coup de cœur ou si vous pouvez accueillir cet animal, parce que voilà, ça, son mode de vie vous correspond, tout ça. Et que vous n'êtes un cochon d'Inde, évidemment. On ne prend pas un animal si on n'en veut pas. Donc voilà, donc déjà la première chose pour aider, c'est l'adoption. Et le deuxième point, c'est tout simplement les dons. Vous pouvez faire des dons financiers, donc après c'est par chèque, par virement. Voilà, parfois il y a des moyens de dons en ligne aussi, selon les associations. Donc voilà, pour qu'elles puissent acheter. Il y a des dons matériels qui peuvent être faits. Si vous avez une association près de chez vous, ben voilà, vous pouvez acheter du chanvre, du foin, des granulés, en leur demandant à l'avance, hein, quand même, contacter l'association avant. Pour leur demander si cette marque-là leur convient, on ne sait jamais. Et sinon, si vous ne pouvez pas faire de dons financiers, si vous ne pouvez pas adopter, vous pouvez donc aussi vous proposer en aide. C'est-à-dire bah, peut-être aider l'association quand il faut nettoyer les cages. Bah, voilà. Donc, si vous avez du temps libre, de proposer vos services, de proposer du covoiturage. Si vous avez une voiture et que vous avez un peu de temps, quand l'association a besoin. De vous dire justement, il y a une personne à telle adresse qui propose un don de chambre, de cage, voilà. Et le siège de l'association est à telle adresse et il faudrait bah, faire le transport du matériel d'un point A à un point B. Et bien bah, juste de vous proposer. Voilà, il y a plein de manières d'aider les associations qui sont plein de petites choses précieuses. Et en quatrième point, qui peut être fait absolument par tout le monde, c'est partager les annonces d'adoption. Voilà, partager les demandes de dons, partager les demandes d'aide. On voit sur les réseaux sociaux de partager tous les posts, de liker une page d'association, plusieurs pages d'association, vous avez le droit. Voilà, pour partager, diffuser au maximum les informations, pour que déjà tout le monde se rende compte de à quoi ressemble un élevage qui fournit les animaleries. Donc de savoir que peut-être que votre cochon d'Inde que vous avez acheté en animalerie va bien, mais de savoir que sa mère et son père vivent toujours dans cet élevage et connaissent ce sort-là. Donc il faut aussi penser au fait que peut-être que l'animal que vous avez pris, vous,
est en bonne santé et qu'il est heureux chez vous, tant mieux. Mais que ses parents, eux, ne connaîtront jamais cette vie-là parce qu'il n'y a jamais personne qui les sauvera. Et pour une fois, on a vraiment des images d'un élevage qui fournit les animaleries. Et ça, c'est important. En plus, c'est même pas un élevage insalubre où on pourrait dire oui, non, mais dans les autres élevages, c'est pas comme ça, celui-là, c'est une exception, il répondait pas aux règles, etc. Non, cet élevage est normal. Il y a des contrôles qui sont faits et on estime que cet élevage est 100% normal, qu'il correspond aux normes, que c'est normal que cet élevage existe et qu'il a le droit de perdurer. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des images tirées de quelque chose d'horrible, de pas normal, non, ça c'est normal. Dans notre pays, aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'élever des animaux dans ces conditions. Voilà. Donc cet élevage, en fait, il y a une histoire liée à cet élevage. Il y a fin 2016, le propriétaire de l'élevage, jusque-là, donc je ne sais pas quand a commencé l'affaire, j'ai pas regardé, mais je sais pas s'il a vérifié sur société.com, quand cette société a été créée. Mais en tout cas, jusque-là, c'était pas un éleveur amateur, il était professionnel, donc il fournissait les animaleries, donc les grosses animaleries, botaniques en particulier, c'est ce qui est cité, mais bon, après, les animaux, donc voilà, ce genre d'élevage fournit Truffaut, Tom Echo, Gamme Vert, Jardiland, tout ce monde-là. Et donc, cet éleveur, donc jusque-là, faisait des rongeurs, mais donc des centaines de rongeurs quand même, c'est quand même pas un petit élevage familial où il y a deux femelles reproductrices et ce genre de choses, que je condamne aussi, au passage, hein, désolée, mais je suis contre. Donc, cet éleveur-là qui avait une centaine de cochons d'Inde dans des petits clapiers en béton au fond de son jardin, donc il fournissait quand même des animaleries, mais qui ne gagnait pas suffisamment d'argent avec cette activité pour que ce soit, pour que ça lui permette de vivre. Donc il a décidé d'agrandir son élevage pour pouvoir justement en vivre complètement, lui et sa compagne. Ils sont deux, hein, c'est un couple. Donc en 2016, cet homme a fait une grève de la faim, parce que jusque-là, quand il a fait une demande d'agrandissement d'élevage pour pouvoir passer d'une centaine à plusieurs milliers de rongeurs, donc il fallait qu'il fasse construire un hangar pour faire du hors-sol. Donc parce que jusque-là, c'était des clapiers en béton, donc avec de la paille en litière, même s'ils sont tout petits, ils étaient sur de la paille. Sauf que plus on a d'animaux, mais si on n'a pas de main-d'œuvre pour s'occuper des animaux, changer la litière, forcément, on ne peut pas suivre. Donc si on fait des milliers d'animaux, comme pour l'élevage de poules, l'élevage de cochons, l'élevage de n'importe quelle espèce d'animaux qui s'intensifie, bah, l'idéal, c'est de ne pas avoir de litière à gérer. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on met les animaux sur des caillebotis, c'est-à-dire du grillage. Comme ça, quand ils font leur pipi et leur crotte, ça passe au travers du grillage. Et donc, il y a une grande fosse en dessous où la crotte, le fumier s'entasse. Et on le vide une fois par an, voilà, comme ça on est tranquille. Bon, ça génère de l'ammoniaque et ça brûle les pattes des animaux qui sont au-dessus, hein. Forcément, ça leur brûle les yeux, les voies respiratoires, c'est très mauvais. Mais ça, c'est le cas des soucis des éleveurs, tout ce qui leur compte, c'est de pouvoir générer de l'argent pour qu'ils vivent et que les animaux soient juste à la limite du raisonnable, on va dire, pour pouvoir faire ce qu'on veut d'eux, c'est-à-dire vivre assez longtemps pour se reproduire. Voilà. Donc des animaux sur du grillage, ça abîme leur part, et c'est pour ça qu'il y a des pododermatites, des infections, ce genre de choses. Donc, fin 2016, en août 2016, je crois, que l'article date de ça, il fait une grève de la faim pour expliquer qu'on lui refuse le permis de construire pour agrandir son élevage, qu'il n'est pas d'accord, etc. Donc après, j'ai pas cherché d'autres articles qui parlent de ça, mais le fait est qu'il a eu gain de cause, puisqu'il a agrandi son élevage et que son grand hangar en tôle, avec des rangées de cages de rongeurs en hors-sol, existe bel et bien, puisque donc c'est filmé et vous l'avez dans les vidéos. Et donc dans cet article où il fait la grève de la faim, il explique bien que les animaleries ont tendance à demander, mais bon, comme quasiment tout, la même histoire se produit partout dans l'exploitation animale. Donc les animaleries n'échappent pas à la règle, elles ont tendance à vouloir trouver peu de fournisseurs, et pas beaucoup de fournisseurs qui font plein de petits élevages, mais plutôt peu de fournisseurs qui font des gros élevages. Donc forcément, quand elles demandent à un fournisseur de les fournir, elle leur précise que soit vous nous en fournissez plus, soit on arrête de se fournir auprès de vous et on va chercher ailleurs. Donc soit le fournisseur, je sais pas, il décide d'arrêter son activité et puis c'est tout, soit, ce qui doit certainement se produire la plupart du temps, il essaye d'agrandir son élevage pour pouvoir garder
son activité et continue à fournir les animaleries avec les quotas que l'animalerie lui demande. Voilà, donc après on peut taper sur l'éleveur en disant que ce qu'il faisait était immonde, ce que je considère être vrai, mais il faut aussi considérer les animaleries qui mettent la pression aussi aux éleveurs pour que tout ça s'intensifie, que les animaux soient toujours davantage traités comme des machines à produire, plutôt que comme des êtres sensibles dont il faut prendre soin et juste aimer. Voilà, c'est gay. C'est évident que ça va être le bonus le plus long que j'ai jamais fait. Donc c'est tout, voilà, j'ai rien d'autre à dire à part le fait que voilà, pour l'émission, enfin pour la chaîne, j'ai moins de temps. Et avec quand les bébés vont naître, forcément je vais avoir d'autres quicoui à gérer, donc ça va aussi demander du temps, plus de place, plus d'énergie et tout ça. Mais donc voilà, pour faire aussi ce rappel de comment ça se passe dans les animaleries, pour vous partager l'information si vous ne l'avez pas vu passer. Et vous inviter donc à adopter auprès des associations, à faire des dons, soit d'argent, soit en nature de foin, de nourriture, de chambre, tout ça, de vous proposer simplement en aide, et partager tout ce qui concerne les associations. Quand vous voyez passer quelque chose qui informe le public sur comment sont traités les animaux dans les élevages, partagez cette information, informez son entourage, et aussi informer son entourage sur le fait qu'on peut adopter, que toutes les espèces s'adoptent et qu'il faut penser à l'adoption et ne jamais acheter. Donc l'adoption, ben voilà, même si vous ne connaissez pas d'association près de chez vous, n'hésitez pas à demander à une association. Vous croisez une association cochon d'Inde sur internet, peut-être qu'ils vont vous dire « Ah ben non, vous habitez tel coin, nous on n'a pas de famille d'accueil, ou dans ce coin-là on n'est pas présent », mais dans ce cas-là vous pouvez leur demander « Mais est-ce que vous connaissez une association ?» Parce que les associations en général, elles se connaissent entre elles, puisque ben justement elles échangent et que quand il y a ce genre de sauvetage, elles sont bien obligées de se contacter pour dire « Ah ben d'accord, j'en prends 10, toi t'en prends 15 voilà. ». Et c'est ça les nombres, hein, c'est « j'en prends 5 », même parfois « j'en prends 2 », alors qu'il y en a plusieurs milliers à sortir. Donc il y en a toujours certainement qui seront là-bas, il y aura certainement des euthanasies, des animaux qui seront juste euthanasiés parce qu'ils n'auront pas pu être placés. Ça c'est sûr qu'il y en a qui vont finir comme ça. Donc les 4 petites que j'ai, elles ont de la chance. Enfin, chez Adopte un Rongeur, il y en a 12 cochons d'Inde qui sont sortis et il y a eu 8 hamsters. Voilà, donc je vous rappelle, bonne année. Une année clairement sous le signe des cochons d'Inde. Et puis voilà. Et maintenant, je termine la vidéo en vous présentant les petites puces qui sont maintenant chez moi, qui viennent de l'élevage. Bienvenue dans la pièce de quarantaine. Eh ben oui, ici, on stocke les petits pestiférés pour éviter qu'ils contaminent les autres. Donc nous avons 3 cages, 4 cochons d'Inde, mais 3 cages parce qu'il y a 2 fifilles qui vivent ensemble. Donc d'abord, je vais vous présenter les moins froussardes. Nous avons Bijou, ici. Bon là elle fait sa froussarde à chaque fois que j'approche au tout début quand je rentre dans la pièce. Elle va se cacher mais bon très rapidement elle sort dès qu'on lui met à manger. Elle sort de sa cachette. Pareil pour Mademoiselle Luciole ici présente, donc qui est la seule qui n'est pas gestante. Normalement si je ne fais pas erreur hein, et j'espère que le futur me donnera raison. Donc voilà, qui est aussi un amour et qui n'est pas du tout froussarde. Bon là elle fait franchement sa froussarde juste pour rire. Et alors là vous allez avoir du mal à les voir. Voilà, nous avons, bah là vous voyez la tête à droite de Opal et les fesses à gauche de Polka. Donc Polka qui est vraiment celle avec le poil le plus horrible parce que elle devait être dans une cage avec un cochon d'Inde, avec des cochons d'Inde avec qui elle s'entendait pas parce qu'elle avait les fesses complètement dépoilé, la peau avec des morsures, des croûtes, tout ce qu'on veut. Donc c'est pas forcément que de la gale ou voilà, mais c'est aussi parce que bah, elle se faisait attaquer. À cet endroit-là, elle ne peut pas se gratter. Il y a des endroits sur son corps où elle se gratte et où elle se blesse à force de se gratter très fortement. Mais l'arrière, bah, elle ne peut pas le faire. Donc c'est parce qu'elle a été mordue par d'autres cochons d'Inde. Vous pouvez remarquer qu'elles ont des légumes en petite quantité parce que pour l'instant bah, il faut les habituer à manger des légumes et que bah, comme elles n'ont jamais eu de légumes de leur vie, je peux vous dire que c'est pas forcément facile de leur en faire avaler. Opal est géniale parce que dès le début elle s'est mise à manger des légumes et elle adore ça. Bon, il y en a certains qu'elle aime moins hein, mais endives, courgettes, carottes, concombres, elle mange sans problème. Le chou chinois, la salade, ça va. Le concombre, pour l'instant, elles n'ont pas voulu. La pomme, elles en mangent aussi.
Et forcément, bah, je me dis que comme Opal mange, Polka a vraiment l'air de suivre son exemple, donc elle s'aide beaucoup, c'est très bien. Bijou, il y en a certains qu'elle aime bien, donc là elle a un peu tapé dans son endive. Et sinon les autres légumes, bon c'est pas forcément fait. Elle a un peu tapé dans sa pomme aussi, mais bon, voilà quoi. Elle aime bien le fenouil. Le fenouil, je lui ai fait goûter et ça vraiment celui-là, bah, elle l'aime bien. Mais voilà, bon, elle est un peu difficile et elle goûte pas vraiment d'elle-même. Faut un petit peu lui mettre dans la bouche pour lui dire goûte. Et après, elle se met à se dire c'est pas si mauvais que ça. Et la pire, bah, c'est Luciole. Mais bon, au fond, je me dis elle est pas gestante, donc c'est la moins pire. Hein, parce qu'une femelle gestante qui mangerait pas du tout les légumes, je serais vraiment désespérée. Mais donc, non, Luciole, elle ne veut pas entendre parler des légumes. J'ai beau lui mettre sous le nez tous les jours. Hein, je lui donne sa petite part. Pour l'instant, franchement, si elle me donne un coup de dent dedans, c'est le grand maximum et ça n'a pas l'air de la séduire. Donc ça va pas être facile et je peux même pas lui mettre dans la bouche pour lui faire goûter parce qu'elle a un caractère bien trempé. Elle me fait beaucoup penser à Pénélope d'ailleurs. C'est une rosette aussi. Mais voilà, je vais pas faire comme ça des préjugés sur les rosettes, mais elle me fait beaucoup penser à Pénélope. Donc ce sont, mais alors, des amours, vous pouvez pas imaginer à quel point elles sont adorables. Elles sont vraiment, mais merveilleuses. Donc Bijou et Luciole, ce sera assez facile de les apprivoiser. Enfin, elles le sont déjà en quelque sorte, tellement elles sont curieuses et vives. Voilà, donc vivement qu'elles soient plus malades et que je puisse les toucher avec mes mains plutôt qu'avec des gants. Qu'elle puisse être mise en promenade sur de la moquette et profiter de la vie parce que vraiment mais ça sera très simple et échanger avec elle sera certainement très facile parce que vraiment elles sont mais merveilleuses. Opal et Polka, donc elles sont arrivées le 1er janvier exactement, hein, donc oui j'ai vraiment 2019 à commencer avec des cochons d'Inde. Elles font très faussade comme ça mais bon ça va, avant elles couraient dans tous les sens pour pas que je les attrape, elles hurlaient quand je les attrapais. Ça commence à aller mieux, donc elles font des progrès assez rapides. Donc voilà, juste le fait d'être présent là, mais si je me mets dans la pièce et que je bouge plus beaucoup, elles sortent très facilement et elles font leur petite vie. Elles se mettent à papoter maintenant aussi quand elles sont entre elles. Donc elles font aussi quand même des progrès assez remarquables rapidement. Donc voilà, ce sont des petits amours, vraiment des cochons d'Inde, mais merveilleux. Bon, elles sont toutes très belles, elles sont toutes très merveilleuses, et vous allez dire, c'est normal, t'adores les cochons d'Inde, tu me dirais ça de n'importe quel cochon d'Inde. Je vais vous dire que oui, c'est pas faux, mais en même temps, je ne peux que constater que, ben oui, quand on sait d'où elles viennent, qu'elles n'ont jamais connu vraiment d'attention, elles n'ont jamais connu d'échange avec les humains, elles ont aucune raison de nous faire confiance, elles ont et pourtant voilà, c'est je les câline et surtout donc Bijou et Luciole, bah si je les câline, elles me regardent, elles reniflent autour d'elles. Voilà, elles prennent leur vitamine C à la pipette tout de suite, voilà, maintenant c'est fait, je leur donne la pipette et elles prennent, elles sont très contentes, elles en veulent. Donc c'est bon, la vitamine C pour elles deux, c'est fait. Opal et Polka, c'est juste parce que pour l'instant, bah, elles sont froussardes et c'est pour ça qu'elles sont ensemble, hein, c'est qu'elles sont vraiment froussardes et que du coup, valait mieux les mettre ensemble pour qu'elles se rassurent. Et c'est très efficace, hein, parce qu'en attraper une qui serait seule, je pense qu'elle paniquerait totalement, alors qu'elles se blottissent l'une contre l'autre, comme elles le font là dans la cabane. Et du coup, bah, je peux en attraper une, parce qu'elle est blottie contre l'autre, et elle ne bouge plus à partir du moment où elle est blottie contre l'autre. Donc voilà, bref, voilà, petite Bijou, son petit mignon, voilà, il me regarde avec son œil bleu, là. Voilà, elles sont magnifiques. Et elles sont belles juste comme ça, avec un poil ultra ras. Et... En fait, elles ont le poil ras donc, bah, pour la maladie de peau, mais que en fait, c'est bon, c'est pas la maladie de peau qui fait tomber les poils. C'est le fait que bah, comme elles ont une maladie de peau, elles n'arrêtent pas de se gratter. Et donc forcément, leurs poils sont courts, parce que bah, elles sont tout le temps en train de se gratter, qu'elles coupent leurs poils. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Donc forcément... Ce à quoi elles ressemblent là, ben, elles vont quand même un peu changer parce que forcément leurs poils vont pousser. Il y a 2-3 poils sur une tache par exemple de blanc où il y a 2-3 poils qui font la bonne longueur et les autres qui font 1 cm de moins. Donc on sait que tous les autres, ben, quand elles iront mieux, tous les poils pousseront. Polka, donc je vais pas enlever la cabane pour la terroriser, hein, mais Polka elle est un peu du genre Sheltie, enfin Coronet hein, exactement.
Parce que après là c'est donc ouais, j'ai la poêle lisse, elle est 100% poêle lisse, Mademoiselle Bijou, mais opale elle est couronnée et polka elle a du genre couronnée quand même. Bah, après ce serait peut-être pas 100% poil long, mais n'empêche que ces poils je pense qu'ils vont bien pousser, mais pour l'instant c'est voilà. Bah, opale c'est pareil, elle a des poils mais tellement épars, c'est voilà. Luciole, elle est peut-être dans ce genre-là, mais ça se voit pas parce que, bah, comme elle a la peau noire sur des poils noirs, on se rend pas compte de à quel point il y en a pas beaucoup. Même, mais bon, voilà, ouais, mais c'est franchement la moins atteinte hein, quand même, Luciole. Alors que Opale, bah, comme elle est blanche avec la peau rose, on se voit, enfin, on se rend compte à quel point, mais il y a 3 poils par centimètre carré, quoi. C'est. Voilà quoi, donc vivement que tout ça repousse. Ce qui fait d'ailleurs que quand je touche Opale sur ses fesses, quand je l'attrape, la croupe, j'ai l'impression de toucher un skinny. Parce qu'elle est très chaude, justement parce que les poils ne servent à rien en fait. Ils ne retiennent pas la chaleur du corps et quand on la touche, bah, c'est comme si on était en contact avec la peau, on a toute la chaleur du corps. Les poils, il n'y en a vraiment pas assez pour isoler. Au niveau des épaules, elle est moins comme ça, mais donc, vivement que tout ça repousse, vivement que je puisse les câliner complètement. J'ai pas pu leur faire un seul bisou, forcément. C'est terrible. Donc voilà, j'ai pas pu leur faire de bisous. Mais donc voilà, bah, vivement que la quarantaine soit finie, qu'elle soit soignée. Voilà, que les maladies soient parties, que je puisse complètement les câliner. Ces petites puces d'amour. En direct, grand scoop. Mais vraiment grand scoop. Bijou mange le poivron jaune. Il y a quelques jours, elle a eu du poivron rouge, mais je croyais qu'elle l'avait mangé. Je l'ai retrouvé sous le sous le champ, en train de pourrir. Elle n'y avait pas du tout touché. J'ai l'impression mais d'avoir un gamin qui cache ses légumes pour dire « Non, non, je l'ai mangé !» Et en fait, on le retrouve après dans la poubelle. Voilà. Et en fait, il n'y a pas touché. Donc voilà, regardez-moi ça. Alors peut-être que le poivron rouge, elle aime pas, mais que le poivron jaune, elle aime bien. Regardez-moi ça. Alors pour vous, c'est juste un cochon d'Inde qui mange ça, mais là, c'est une grande nouvelle, quoi. Elle vient de manger le poivron. Elle vient de toucher au poivron. Voilà. C'est une étape de plus franchie, l'air de rien, parce que bah, le poivron, c'est un petit peu quand même un légume que je leur refine plusieurs fois par semaine. C'est un impératif, quoi, limite, dans le menu des cochons d'Inde, le poivron. Voilà. Plein de petites victoires comme ça, des petites étapes franchies qui font très très plaisir. Et à votre bon cœur pour nous aider à prendre soin d'elle.